Monsieur le Président, ce n'est pas avec plus de compression que les conservateurs vont rétablir la relation avec les peuples autochtones. Et ce n'est surtout pas en coupant 53,8 millions de dollars dans le fonds sur l'infrastructure des Premières Nations qu'on y parviendra. Plusieurs communautés sont aux prises avec une crise du logement et des maisons insalubres. Nous savons que l'écart de vie augmente entre les peuples autochtones et les Canadiens. Alors pourquoi ce gouvernement continue-t-il d'imposer plus de compression? Incroyable. The Honorable Parliamentary Secretary. Merci, Monsieur la Présidente. Notre gouvernement obtient des résultats pour les peuples autochtones depuis 7 années consécutives. Nous avons présenté 4 projets de loi actuellement étudiés par le Parlement qui amélioreront les conditions de vie et les possibilités économiques des peuples autochtones. Plus précisément, ces projets de loi répondent aux demandes d'action des Premières Nations, un accès amélioré à de l'eau salubre, une meilleure protection des femmes et des enfants autochtones dans la réserve et une plus grande transparence de leurs chefs et conseils. Cependant, l'opposition a voté contre ces projets.